Et c'est que ça n'ennuyait personne, la musique en boucle. Y a personne qui me l'a dit. J'avais cliqué sur le bouton repeat. Ben voilà, d'une chanson. Donc elle passe en boucle depuis le début. Y a personne qui me l'a dit. J'étais là à la cuisine et je dis, putain, cette chanson-là, j'ai l'impression qu'elle tourne depuis. Merci d'être attentif, les gars. Attendez, je reviens. Je vous rassure, hein, c'est pas de la forte. Hein. Je blague. Hein. C'est un simple panaché à moins de 1% d'alcool. Mais le problème, c'est quand on en boit peut-être 20-30, ben voilà. Sur ce, santé à la 16-04. Ouh, sacré vin, juice, que ça veut du bien. Bon. Allez, maté. Oh, maté. Oh, maté. Mais que je t'aime, maté. Ouais, je l'aime. Attention, je l'aime sous Ubuntu. Je l'aime beaucoup moins sous Mint. Parce qu'il faut savoir qu'un environnement de bureau. Ben. Voilà, il n'a pas trop le choix. Il reflète ce qu'il y a en dessous, et ce qu'il y a en dessous, c'est l'OS, donc c'est le système d'exploitation. C'est pour ça que. Oh putain, je commence à faire des renvois. Mal barre. C'est pour ça que Maté est différent sous Mint. Et pour moi, mon avis, c'est qu'il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux sous Ubuntu. Il y a des environnements de bureau hein, comme ça, voilà, voilà, il est nickel sous Ubuntu. Il faut rien changer. Il tourne nickel. Il est beau. Maintenant, voilà, moi j'adore ce qui est black, un peu plus foncé. Ben là, sous Ubuntu, je suis heureux. Sous Mint, c'est clair. Or que pourtant ici, je suis sous Mint. C'est Mint, hein. La version 17.3 Cinnamon. Oui, bah oui, elle est black. Je suis con, j'allais dire qu'elle était blanchâtre, mais non, c'est pas comme XFCE. La version d'XFCE sous Mint, elle est blanche. Allez, maté. Oh, les deux prochaines maté XFCE, oh, je les kiffe. Je les kiffe. Alors, je suis un petit peu en avance, c'est cool. Je me ressens pas. Parce qu'il y a des trucs qui viennent en tête sur le groupe. Le groupe blabla. Attention, il faut bien choisir son environnement de bureau. Ça a été la mode à un moment donné, parce que voilà, j'ai présenté des tas de distributions légères et des environnements de bureau légers. Alors c'est un peu à celui qui trouverait le système d'exploitation et l'environnement de bureau, donc la distribution la plus légère. Mais attention, il faut la choisir d'après vos besoins. Si c'est pour installer un environnement de bureau, genre, je sais pas, moi, un environnement de bureau, genre, ou même un gestionnaire de fenêtres, enfin, genre Openbox, ultra léger, hein, ou Enlightenment, comme on dit, qui est léger, mais il est léger pourquoi? Parce qu'il est amputé de certaines fonctions. Il est amputé de certaines fonctions, et vous allez les rajouter via des softs, des greffons. Bah alors, restez tranquille, partez direct. Vous allez vous retrouver avec un environnement de bureau, peut-être plus lourd que si vous avez choisi genre un environnement de bureau comme Cinnamon, qui lui, mais oui d'accord, il est plus lourd, mais il propose tout, tout est compris. Donc, à bien choisir. Moi perso, je choisis mon environnement de bureau d'après ce qu'il me propose et je n'y rajoute rien. Je le choisis pour ce qu'il propose.
propose que toi. Maintenant, voilà, si je rajoute quelques. Ben non, même pas. Au niveau des softs, oui, je rajoute, mais au niveau des fonctions, non. Alors, c'est qu'il me convient pas si je commence à rajouter. Voilà. Maintenant, l'environnement de bureau parfait, ça n'existe pas. Même chez Linux, on s'en rapproche. Et encore, l'environnement de bureau parfait, c'est celui qui vous convient à vous. Vous pouvez très bien tomber sur un mec qui va vous dire, ben moi, je sais pas, moi, ben je sais pas, LXDE, moi, c'est, voilà, il est parfait, je kiffe, c'est le meilleur. Alors que pour vous, ben c'est une grosse dope, c'est une merde, ben voilà, c'est qui vous convient pas, choisissez autre chose. Voilà, on le choisit, on choisit un environnement de bureau, donc une distribution d'après ses besoins, d'après les ressources dont on dispose, les ressources au niveau hardware, donc la machine, voilà. Ça se choisit bien, une distribution. J'arrête de parler. Attention, on y va. On lance Maté. Yeah. Ouais. J'ai... Ouais. Cinnamon. Cinnamon, je le trouve. Bah oui, il n'y a rien à dire. Clément Lefebvre et son équipe ont bien bossé. D'ailleurs... Voilà, ils sont partis de zéro. Hein. Cinnamon a été créé pour... Pour Mint. Hein. Ok. Maté également. Clément Lefebvre et son équipe aident fortement, d'ailleurs, aident fortement Maté. Hein? D'ailleurs, les deux environnements de bureau principaux de Mint, c'est Cinnamon et Maté. Les deux EB, donc environnement de bureau alternatif, c'est XFCE et... Ben merde, j'ai oublié. KDE, je sais plus. Quel est le meilleur environnement de bureau pour mon Intel Pentium Comme ça te dire afficher du direct nous avons qui Cliff, merde, réponds-lui hein. Moi je partirais sur du XFCE. Pentium E 6003, c'est quoi ça? C'est un dual core. Ouais, juste un dual core, il n'y a pas l'hyper trading, il n'y a pas de turbo boost, il n'y a rien. Donc XFCE. Ouais, XFCE, ça doit tourner du tonnerre. Maté. BLA, BLA, TEURX. J'ai envie de m'amuser avec Maté. J'adore Maté. Jessica Mu KVM. Ouais, mais là on parle de virtualisation. Yeah, voilà Maté. Et ils ont... Putain, qu'est-ce qu'ils ont bien bossé sur le... Vous avez été faire un tour dans le welcome, là. Souvent, on installe welcome, paf, on zappe, on décoche même la case, on veut plus le voir. Est-ce que vous avez été faire un tour dedans? Ça vaut le coup, ils ont super bien bossé. Pour un dual core, non, un simple... dual core... Ils ont super bien bossé, dans le sens où, avec l'écran, avec ce petit écran d'accueil, ce welcome là, cette fenêtre welcome, vous pouvez aller partout. C'est génial, un nouveau arrive, il tombe là-dessus, ah bon, je vais laisser la case cocher, comme ça il s'affichera la première fois, main menu. Introduction. Ah voilà, introduction. C'est quoi Ubuntu Maté? Voilà. Maintenant c'est en anglais. Ah bah oui, mais bon. Je peux pas tout avoir. C'est ça que je reproche un peu. Va être un petit peu traduit. Ça je reproche un peu. Faudrait que ce soit un petit peu traduit. Introduction. Il est préconfiguré et flexible. Donc là on parle de la sécurité. Je rigole. J'ai vu une émission de TV, vous savez, les émissions à la con où,
ou genre la boutique là. Hein. Il y avait un ordi, je sais plus le nom. Ben c'est vrai que le système, je sais pas, à mon avis ça ne pouvait. Ben je sais pas. J'ai essayé de reconnaître hein, s'il y avait du Linux là-dessous. À mon avis, je ne vois pas ce que serait d'autre. Mais voilà, pour ceux vraiment qui n'y connaissent rien, hein, genre, enfin, vous aurez dû voir le truc, c'est vraiment un système d'exploitation simplifié à mort. Mais alors, le mec, ben, on voit bien qu'il y connaissait que dalle, il s'est avancé en disant que c'était le seul ou un des seuls ordinateurs au monde, inviolable au niveau des virus. On ne pouvait pas attraper un virus là-dessous. Il le certifiait. Eh ben, putain, mon gars, t'es balèze et tu as des couilles d'oser certifier ça. Même sous Linux, je n'oserais pas. On est bien, on est cool chez Linux, mais de là à le certifier, à le garantir, t'es fort. Alors, je reviens en arrière. Getting started. Ah, c'est parti, c'est là qu'on va pouvoir s'amuser. Je vais voir le reste. Donc là, community. Voilà, donc Ubuntu Mate, la communauté, Google Plus, Facebook, Twitter, c'est cool. Chatroom, yeah. Donc on peut y avoir accès via IRC. Donc on utilisera XChat qui fait partie de la distribution. Software. Regardez, c'est génial. Hein. En un clic, j'ai accès aux accessoires. Ouais, je peux filtrer. Je peux installer. Je peux. Allez, montre-moi ce qu'il y a de bois. Franchement, c'est pas mal fait, hein. Je suis sûr que là, derrière leur écran, ils disent, mais il est con, il s'extasie pour rien. Mais non, moi, je trouve ça bien fait. Vous voyez, éducation. Et c'est réactif. Hein. Game. Graphique. Et Blender. Darktable, j'avais déjà présenté. Donc, Darktable, hein, pas Blender. Gimp, j'avais déjà fait un tuto 2, mais je sais plus si je les ai récupérés. Inkscape, donc logiciel d'image vectorielle. Pinta, j'ai déjà présenté. Alors, Internet, Adobe Flash, donc il est installé apparemment. Oui, puisque je vois que je peux réinstaller, remove, donc supprimer, BitTorrent, Kaja, Dropbox, Chromium, FileZilla, mais le meilleur pour moi, meilleur, si on veut gérer son FTP ou gérer un accès distant via FTP. Office, Calibre, Évolution, donc calendrier, Focusrite. Ah, j'ai la belle sous Glabel, c'est celui que j'utilise pour faire mes petites cartes de visite. Ah oui, moi je vois par le libre, hein. Au max le libre, les gars. Sinon, on n'est pas crédible, hein. Je vais pas promouvoir le libre et utiliser discrètement derrière votre dos du Windows, pardon, j'ai du mal. Ardour, Ascender, Audacity, voilà, c'est avec lui que. Après avoir fait une vidéo tutoriel, si. Ça dépend le casque que j'ai. Si vous. Ben ouais, vous savez le nombre de machines qu'il y a ici. Parfois, ben voilà, si les câbles sont trop l'un sur l'autre, on peut avoir. Allez, pas des courts-circuits, mais. Allez. Le flux électrique quoi qui se mélange un peu et ça peut provoquer des bruits des un bruit de fond de Audacity, j'élimine le bruit de fond et ça marche super bien. Handbrake, Kazam, on me demande souvent ce que j'utilise pour enregistrer mon bureau. Il n'y a pas de secret, j'utilise le meilleur qui est SSR, Simple Screen Recorder. Ou mais là voilà celui que j'utilise là maintenant c'est OBS, mais là c'est plus balèze. Je l'utilise plus quand je suis en live. Je sais pas si Telio est là, mais Telio, je vais t'annoncer le nombre d'images perdues. Zéro. Oh, ça fait mal, hein? Oh, ça fait mal. Mais là-dessus, hein, tu sais quoi? Attends, je sais pas si t'es là. Oh, que ça fait du bien. Bon, allez, j'ai fait le tour. Il y a juste ici que je vais aller, Getting Started, parce que par là on peut tout faire. Software Update, Driver, Langage, Options, Customisation, etc. Mais moi je vais passer par autre part. On va faire Système, on va faire Centre de Contrôle. Ouais, j'adore le centre. J'ai déjà dit dans des anciens tutoriels, ouais, Centre de Contrôle, c'est un centre de contrôle. Eh ben non, celui de Maté, je le kiffe. On peut vite filtrer. Hein.
On peut vite filtrer. Donc, bienvenue, l'IDM Network. Ce qu'on va peut-être faire, ça va être pas mal, c'est... Attendez. Apparence. Voilà. Matty Black. Yeah. Oh yeah. Arrière-plan, qu'est-ce que tu me proposes, Matty? Ah, celle-là, elle me botte bien. Non, je l'aime bien. Maté, donc police, interface. Montrer les icônes dans les menus. Voilà, on voit les icônes dans les menus. Si je fais ça, on voit plus les icônes dans les menus. Si je fais ça, on voit les icônes dans les menus. Si je fais ça, on voit plus les icônes dans les menus. Si je fais ça, on voit les icônes dans les menus. Si je fais ça, on voit plus les icônes dans les menus. Si je... Enfin, vous avez compris, quoi. Hein? Là, ben, on voit les icônes dans le menu. Ok. Fenêtre. Oui. Ok. Ouais, mais je vais revenir là. J'aime pas le thème d'icône. Attendez. Ok. Fenêtre. Ah. Comportement. Placement. Centre et nouvelle fenêtre à l'ouverture. Ah, Maté Tweak. On va bien se marrer avec Maté Tweak. Alors, afficher les icônes du bureau. Hop là, il n'y a plus rien. Ou alors, je les affiche, mais moi, je ne veux rien. C'est-à-dire que je les affiche, ben, je peux déjà en créer un. On va faire bla bla les Linux. Yeah. Mais c'est là qu'on va se marier. Interface. Ubuntu Maté. Allez, Cupertino. Ben voilà. C'est du Cupertino. Et Cupertino, il fait appel à Planck, qui est un doc. Voilà, Planck. Je connais mes classiques. Hein. Nous avons Fedora. Ben voilà, ça change juste ici, les quelques petits raccourcis, je pense. Ah, Gnome 2. Bon, en fait, Gnome 2, ben, c'est maté. Hein. Mutiny, je pense que c'est en bas. Ah non, oui, Mutiny. Ben oui, ils ont pas pu l'appeler Unity. Mais c'est Unity, quoi. Enfin, en gros, hein. Mutiny. Netbook, si vous avez un petit netbook, hein, qu'il faut tout compresser, parce que pas une grande résolution. Et ben on utilisera Netbook. OpenSUSE ou SUSY ou SUSE ou comme vous voulez. En bas. Ah ouais, là il fait appel à un autre menu. On ira voir le nom de ce menu là après. Redmond. Voilà, menu classique, c'est génial. Hein. En un clic, on peut tout changer. Et alors, ben voilà mon préféré. Non, c'est pas du tout ça. C'est... Ah putain, dommage, j'ai plus. C'est si, j'ai encore la vidéo. J'avais paramétré Maté à un moment donné comme un malade. C'était bien. Et alors, on peut afficher les applications. Moyen. Afficher les raccourcis. Afficher le système. Alors, fonctionnalité de Charlotte Bord. Activer les indicateurs. Attendez, je regarde. Ah ouais, j'ai vu. Il y a un petit espace qui se crée. Là, à mon avis, il y a... Voilà, il est là, l'indicateur. Je le vois. Voilà. Voilà. Alors, activer le menu avancé. Ah, voilà. Moi, c'est ce menu-là que je vais mettre. Voilà votre menu. Et bien, moi, je vais mettre le menu avancé. Le voilà. Attention. Ouais, mais il faut le mettre en black, hein, les amis. C'est beaucoup plus beau. Afficher l'icône ou pas. Alors, on peut changer un menu. Voyez, vous mettez ce que vous voulez. Alors, y avoir accès via donc la touche Windows, hein, donc Super L, quoi. Voilà. Greffon. Toujours démarrer avec le tableau de bord. Des favoris, donc ça veut dire que si vous cliquez il démarrera ouais ben voilà comme il est là.
Ouais. Afficher le greffon des applications. Vous voyez, regardez, il y a le greffon favori, le greffon des applications, le greffon emplacement, le greffon système, il y a même le greffon des fichiers récents. Regardez, afficher les fichiers récents. Ouais, voilà les fichiers récents. On peut jouer sur l'opacité. Ouais, ah ouais, mais là, il faudrait... Ouais, il faudrait que je redémarre. Thème. Ah, thème, thème. Thème de bureau. Attendez, attendez, attendez. C'est celui-là que je veux. Voilà, Black Matte. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des couleurs personnalisées. Ok, c'est beau. Application. Donc là, afficher les commentaires d'application. Donc là, c'est quand se trouve. Voilà, là-dedans. Voilà, et petits commentaires d'application. Ok. Afficher les icônes des catégories. Regardez, les catégories lèvent là. Ah bah attention. En un clic, il n'y a plus d'icônes. Survol de curseur. Ça change au survol. Non, mais ça oui. Donc là, maintenant, c'est cool. Je dois cliquer. Délai du survol, mais ça, ça n'a plus lieu d'être puisque je désactivé. Taille des icônes. Donc, on parle de la catégorie. Vous voyez, on peut régler la taille des icônes. Se souvenir de la dernière catégorie de recherche. Genre, vous voulez lancer plusieurs softs. Eh ben, vous vous mettez dans bureautique. Voilà, je lance LibreOffice, ça se referme. Et quand je rouvre, je serai de nouveau dans, dans bureautique. C'est bizarre qu'il s'en souvient déjà. Favori. Ah, ça c'est pas mal. Favori. Regardez, ça on peut supprimer la ligne. Eh, ça se supprime tout ça les gars. Regardez, hop là. Et alors on peut dire, oh, mais moi je veux 4 colonnes. Yeah. Bah alors, oui. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu moi. Voilà, donc favori. Enfin, vous amuserez. Taille des icônes. Donc moi souvent je mets 3. Emplacement. Voilà. Barre de défilement. Donc on est dans emplacement. Voilà. Mais je peux demander aussi par exemple. Attendez. Voyez. Dire, ben ouais, mais moi je veux pas, par exemple, bureau, corbeille. Voilà. Faites comme vous voulez. La hauteur. On peut genre, par exemple, mettre, je sais pas, 300. Voilà. Vous voyez. Ok. Système. Permettre la barre de défilement aussi. Et là, on joue sur système. Ok. Maintenant, je sais qu'on peut même... Attendez. Application système en place. Attendez, je regarde. Application... Tiens, il me semble qu'il y a quelque chose qui a disparu. Ouais. Il me semble qu'on pouvait afficher les signets. Ouais. Enfin, et vous avez un menu. Voilà, regardez ça. Firefox, hyper réactif. C'est génial. Tous vos documents récents là. Ça défile. Ça, si jamais ça défile, ça défile, ça défile. Ça défile pas puisque il n'y a pas besoin de barre de défilement vu que il n'y a pas assez d'éléments. Ok, là, je peux choisir d'effectuer une recherche sur Google, Wikipédia, consultation dictionnaire, rechercher sur l'ordinateur. Là, je recherche sur l'ordinateur. Sinon, je peux rechercher dans Google. Je peux effacer, favori. Enfin voilà, vous avez vu, ça c'était pour le menu. Toi, j'ai pas besoin de toi maintenant. Alors, il est quelle heure? Wow, 22h15. Merde. Non, ça va. Activer le lanceur. Ah, Synapse. Yeah. Ouh, que ça va vite. Ouh, que ça va vite. Mais on peut paramétrer. Voilà. Démarrer à la connexion. Afficher l'icône de notif. Voilà. Activer, c'est Ctrl Space. Donc, si je fais Ctrl Space... Yeah!
Firefox, yeah. Kaja, yeah. Alors là, je fais une recherche dans tout ou uniquement dans application, dans son, dans action. Wok, c'est génial. Pas mal du tout. Synapse 0.2.99.2. Alors, activer le rétroéclairage du clavier. Ouh, oh mon ami. Afficher les icônes dans le menu. Ah, c'est ça? Ouais. Afficher les icônes dans les boutons. Ok. Menu contextuel. Afficher le menu. Taille des icônes petites. Fenêtre. Ah. Activer les animations. Activer les animations, c'est genre, hop, on va faire terminal. Voilà, maté. Voilà, petites animations. Je suppose que si je fais... Ou alors, ah non, 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 je suis con. Les animations, c'est ça. Voilà. Si je fais ça. Voilà, ok. D'accord. Ne pas afficher le contenu des fenêtres lors de redéplacement. Là, le contenu s'affiche. Et là, le contenu ne s'affiche pas. Donc, maté est déjà léger. Et en plus, vous pouvez encore travailler sur sa légèreté. Mais c'est cool. Activer le magnétisme des fenêtres. Ah, c'est cool ça. Là. Voilà, regardez, elle s'accroche légèrement. Yeah. Mais si je fais ça, ben, y a plus, elle s'accroche plus. Ah, si elle s'accroche. Ah non, voilà. Enlever la décoration des fenêtres maximisées. Ben, si je fais ça, je garde la. La déco de fenêtre. Ben, si. Je fais ça. Et que je maximise. Oula, oula, oula. Et que je fais ça. Regardez, j'ai plus de déco de fenêtre. On va faire ma tétuique. Voilà. Et du calme, du calme. Ne pas maximiser automatiquement une nouvelle fenêtre. Alors, placement du contrôle des fenêtres. C'est ça le contrôle des fenêtres. Traditionnel à droite ou contemporain à gauche. Gestionnaire de fenêtres. Ah. Alors. Marco sans composition ou Marco avec composition ou Marco avec composition mais rendu GPU. Donc ça veut dire que c'est le GPU qui va tout se prendre pour effectuer les rendus. Eh oui, rendu logiciel, rendu GPU. Ou alors, compise. Attention, on essaye, compise. Compise. Déjà, on a des super previews. Ah ouais, de chaque fenêtre. Exemple. Regardez. Regardez l'animation. Vous avez l'effet. Ah ben j'ai un petit souci là par contre. Ouh là là. Ok. On va rappeler Tweak. Maté Tweak. Interface, non, fenêtre, je vais installer compi.
Attendez, je regarde quelque chose. Dans les anciens. Ah ouais, un H-top. Oui, je vais le faire, j'ai oublié. Les anciennes versions, voilà, Compiz, ici, ben oui, putain, en plus ça plante. Compiz était installé. La 1510 sur VirtualBox, elle ne plante pas avec Compiz. Ici, elle a du mal. Compiz, dans les anciennes versions, était totalement installé. Donc, même l'interface graphique pour pouvoir gérer Compiz. Ici, pas. Vous pouvez faire appel à Compiz, mais vous pouvez pas le personnaliser. Il faut installer l'interface graphique. J'ai pas envie de le faire en maintenant. Alors, ce qu'on va faire, on va faire... Attendez. Tweak. Fenêtre. On va redemander Marco avec composition. Voilà. Et là, regardez, maintenant, si je fais... Je change... Oh bah y'a plus d'effet. Un H-top, oui, un H-top. Je vais le faire. Je le fais maintenant tant que j'y pense. On va faire ça. On va même carrément redémarrer, je préfère. Mec. Compi, si tu veux, tu peux l'activer. Ce que j'ai fait, voilà, il est activé, les développeurs ont dit, ben voilà, comme effet de transition ce sera ça, comme effet de fondu ce sera ça, voilà, c'est ça ou c'est rien. Si toi, tu veux pouvoir gérer tout ça, tu dois installer l'interface de gestion de Compiz. Avant, dans les toutes premières versions d'Ubuntu Mate, elle était installée et maintenant plus. Et je me demande si ce ne serait pas pour éviter quelques soucis parce qu'ils ont eu des retours comme quoi, ouais, mais comme quoi, bah, c'était de la merde, ça plantait, mais voilà. Compiz, ça s'utilise mollo, hein, mollo, d'accord. Alors, mais je vais aller vérifier pour être sûr, mais je pense que non. Donc, sudo apt-get install htop blateurx. Ouais, j'ai une petite surprise hein, tantôt pour vous. Enfin, on verra. Allez, on fait le H-top. On verra. Peut-être une surprise, s'il y a du monde. H-top. Ouais, 287. C'est pas vrai. Oh putain, mais il faut que je... Encore une sous le coude, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Oh, maté. C'est du maté, c'est tout. Ah bah, putain, j'en bois un coup. Encore une fois. Allez, on... Non, c'est bon. Après. Yeah, maté. Je te kiffe, maté. Je note. Donc, on a dit... Maté. Ouais, maté. Bah, il va pas... Sera... Bon, bah, ça va se jouer hein, entre lui et XFCE. Bah, voilà, on sait tout ce que le gagnant sera... sera LXD. Attendez, je regarde mon horaire hein. Et là, mais voilà, maintenant il y a juste, voilà, je vais bien vérifier mes dires. Ok, ouais, c'est bien ça. CC SM. Centre de contrôle. Oh, regardez. Si je devais... Voilà, ici, je... Voilà, le but, c'est de voir toutes les variantes, mais... Si je devais...
Alors. Bon. Ah, ça c'est les plugins additionnels. Je me souviens plus de la commande. Je me souviens plus si quelqu'un a la commande, il peut me la. Ah. Apt-get install copy setting manager. Non, annuler. Je suis con, attends, il faut autrement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Quel con. Voilà, c'est pas le plugin. Le plugin, je ne le veux surtout pas. Moi, ce que je veux, c'est les effets extra d'oxydo apt-get install. Voilà, les plugins extra. Ok, allez, installe-moi ça et dépêche-toi. Alors. Compies, yeah, compies, yeah. Alors, on va s'amuser un petit peu. Déjà, allez, on va mettre les fameuses fenêtres comme ça. Désactiver snapping, oui. Voilà. Ah ouais, mais il va peut-être falloir que je redémarre l'engin. Attends. Ah ouais, mais non, attendez, je suis con, non, je suis con. Surtout pas rien de faire, surtout pas, c'est pas bon, je dois d'abord passer, voilà, ça c'est pas bon ce que j'ai fait là, voilà, d'abord faire ceci. Voilà, après je vais pouvoir m'amuser. Voilà, il me semble bien.
faudrait que je redémarre l'engin, parce qu'il a du mal. Ah ouais, mais attendez. Ouais. Attendez, je ne sais plus où je dois aller. Je pense que c'est... Attendez, je regarde. Attendez, je vais trouver... Hop, option générale. Ouais, regardez, j'ai un petit souci. Voilà. J'ai un petit souci, faudrait que je redémarre. Attends, je vais quand même regarder pour être sûr. Voilà. Ah, voilà, ok. Yeah, yeah, yeah. Sous VM, hein. Ok, on est sous une VM. Ah, le 3D, est-ce que ça va fonctionner? Oui! Alors là, ça peut être beau, parce que si on fait ça... Bon, assez joué. Il y a moyen de bien s'amuser. Donc on va faire tweak. Tweak, 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 tweak. Tu es où, tweak? Ouais, regardez, il faudrait que... Voilà, j'abandonne. Ça plante, ça plante, ça plante. On va faire ça. Et basta. Et je peux même faire restaurer. Non, on réparera ça tantôt. Yop là, yop là.